19h toujours, 19h encore de l'amour. Et bienvenue dans The Big Game of Ski. Aujourd'hui, ce sera pas de nouveautés. On va continuer à remplir nos archives et encyclopédies du shmup en explorant un titre très très mal distribué à l'époque, j'imagine, puisque j'en ai jamais entendu parler, hein, pour être totalement honnête. Ce jeu s'appelle Soro, il a été développé en 1987 et je vais laisser les images parler. Ce sera beaucoup plus simple. Hop. Eh oui, Tech Free. Alors je me demande si c'est pas une boîte espagnole. Parce que j'ai émis toute une théorie comme quoi ça pouvait très bien avoir été les mêmes développeurs qui avaient bossé sur un autre titre. Un shmup qui s'appelle La fin des temps. Alors, c'est un scroller horizontal. Nous avons un superbe vaisseau qui ne va pas manquer de s'alimenter en super armement. Et plein de méchants dans le ciel, dans la mer et à l'intérieur même de la mer. Regardez-moi ça. Nous avons un panneau de contrôle qui nous indique clairement que ça va mal se passer pour le fuel si on oublie d'en reprendre. Donc, c'est un peu la technique scrambler. Et puis voilà, je crois que j'étais assez exhaustif dans la description. Sa jouabilité, je vais mettre des réserves. Parce que je pense qu'il est aussi jouable que beau. Oui, vous m'avez bien compris. Effectivement, ce n'était pas un compliment. Puis il faut pas se prendre ça sur la gueule aussi. Il faut bien que je pense à ne pas me prendre les épaves de tout ce que je fais comme victime sur la tronche. Et ça devrait à peu près correctement se passer. Soro, je n'y tiens plus. Alors... Ah non, j'ai un deuxième tir quand même. Je peux choisir de tirer soit horizontalement, verticalement. Ah, ramasse ça, ça fait bien. Crétin. Piou, 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 piou. Dans ta gueule. Alors, je confirme ce que je redoutais. J'ai même pas eu 3 secondes d'invincibilité au redémarrage. Casse-toi, sale truc. Il me balance des mines, les mecs. Donc sur la jouabilité, oui, il y a un léger problème, genre le truc est bien fait pour vous niquer un max de crédit, et là le terme n'est pas exagéré, puisque, oh putain, c'est un veau marin le truc, regardez, il bouge à 2 à l'heure. Donc quand vous voulez anticiper quoi que ce soit, bah en fait, faut vous y prendre la veille quoi. Parce que si vous vous y prenez maintenant, c'est trop tard, tant pis pour le fuel je crois. Tant pis pour le fuel j'ai dit. Et bah oui, mais j'aurais dû prendre le fuel. Bien sûr que je vais continuer, remets-moi au début du tableau. Et c'est ce qu'il fait. Regardez, il y a un espèce de vache au fond. Oui, j'ai été déconcentré. Cette symétrie est plus que pas naturelle. Bon, je ne dis plus rien, hein, si c'est ça, que vous n'appréciez même plus mes commentaires pour vous faire une description exhaustive de ce petit... pas chef-d'œuvre des années... 87. Bon, en 87, il y avait vraiment plus joli ailleurs, plus intéressant, et ça ressemblait beaucoup plus à un jeu chez les autres. Oh, la hitbox, laisse tomber! On va le finir. Comment ça, je n'ai aucune crédibilité? Oui, bah... Pff. Ne parlez pas au pilote en même temps qu'il tente de faire un 1CC. Sa mère, mais il va à toi, ce truc, je supporte pas. Alors, Soro n'est pas sélectionné, hélas. Et il s'en est fallu de peu. Il aurait pu être sélectionné. Juste s'il n'avait pas existé. Ah, que j'ai été méchant. Non, mais... T'as des trucs, des fois, faut... Oui. Le gameplay est foireux. Le gameplay est foireux. Soit c'est une machine qui est faite pour avaler à la chaîne des pièces. Soit c'était programmé par des inconscients, mais tu lâches pas un jeu comme ça sur une borne d'arcade. À moins de vouloir être baptisé d'escroc. Tu n'es donc pas validé, mon cher Soro, j'en suis désolé. Ah, va chier. Oui, il m'a mis un peu de mauvaise humeur, ce truc. Parce que je m'attendais à soit quelque chose de bien pire, soit quelque chose de bien mieux. Mais pas juste à... Comme quand vous êtes occupé avec votre smartphone dans la rue, que vous regardez l'écran et plaf, vous avez marché dedans. Voilà. Je suis très déçu. Je ne cachais
Je ne cacherai même pas, oui, cette déception. Soro, c'est bien, tu as existé, mais tu vas au grenier, dans la malle, et on va te mettre bien au fond de la malle, hein, parce qu'on n'a pas envie de retomber sur toi en premier. C'est plus que clair et certain. Playlist habituelle, c'est parti. Et de une, et de deux, et de trois. Et je surenchéris avec le bouton abonnement, tiens. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, à bientôt, à demain, 19h, ciao.